Donc ce théâtre forum m'a semblé tout à fait intéressant pour à la fois montrer aux assistants les blocages qu'il y a aujourd'hui pour mettre en place des nouvelles politiques. Le théâtre abordait une multitude de thèmes et je pense qu'en ce sens c'est très intéressant parce qu'il montrait notamment que tout est lié. Alors qu'on a trop souvent tendance à rentrer dans un aspect du développement durable. Et bon, ça, je pense, moi, que si on ne le conçoit pas comme un développement global, ça ne sert à rien. J'ai un peu regretté, je l'ai dit à une ou deux fois, l'entrée parfois trop environnementale. Moi, je pense qu'elle est parfois trop stricte, je dirais, et elle nous empêche justement d'avoir des initiatives. Il serait intéressant de justement voir comment ces aspects environnementaux, parfois, il convient de les pondérer par des aspects sociaux qui permettraient justement d'aller plus loin. Et puis je terminerai sur la réflexion générale que cette pièce m'a donnée, justement sur cette idée d'une ville à repenser. Et je crois que cela me semble vraiment un des grands chantiers. À mon sens, les habitants d'aujourd'hui ou les personnes d'aujourd'hui ne reviendront pas à la campagne. Je pense que c'est un petit peu une utopie, cela. Mais par contre, que l'on puisse créer une autre ville, c'est une autre forme d'utopie. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il me semble important de travailler, avec tous ces aspects d'articulation nouvelle entre agriculture et ville. Je ne dis pas campagne et ville, parce que ce n'est pas la même chose, mais agriculture et ville. Et là, les initiatives que l'on rencontre vraiment partout sont à creuser, sont à étudier, avec bien sûr la prise en main par les citoyens. Mais ça, je crois que c'est une nécessité, puisque autrement, ça ne peut pas beaucoup bouger aujourd'hui.